L'arrêt et le démarrage automatique est une fonctionnalité qui peut contribuer à réduire la quantité de carburant que vous utilisez. Si vous remarquez que le moteur de votre véhicule s'éteint lorsque vous vous arrêtez complètement et se rallume lorsque vous relâchez la pédale de frein, ou qu'une indication nommée « arrêt automatique » se trouve sur votre contour, alors votre véhicule est équipé de la technologie d'arrêt et de démarrage automatique. La fonction d'arrêt et de démarrage automatique s'active par défaut. Vous n'avez donc rien à faire. Dans des conditions normales de conduite, lorsque vous vous arrêtez complètement puis relâchez la pédale de frein, le moteur redémarre automatiquement. Si votre véhicule est équipé d'un interrupteur de désactivation du système d'arrêt et de démarrage automatique, vous pouvez appuyer sur celui-ci pour désactiver le système. L'interrupteur est marqué de la lettre A entourée d'une flèche. Si le voyant lumineux de l'interrupteur est éteint, la fonction d'arrêt et de démarrage automatique est désactivée. Le système d'arrêt et de démarrage automatique se réactive chaque fois que le véhicule est démarré. Votre véhicule est également équipé de capteurs intelligents qui surveillent les systèmes du véhicule et le niveau de charge de la batterie. Cela signifie que l'arrêt automatique ne se produira pas si les conditions ne sont pas optimales. Par exemple, si la vitesse minimale n'a pas été atteinte entre deux arrêts, si le moteur doit rester en marche pour maintenir la climatisation, ou si la batterie du véhicule doit être rechargée. Consultez le guide du propriétaire de votre véhicule pour obtenir une liste complète des conditions et de plus amples renseignements sur le système d'arrêt et de démarrage automatique.